Inquiétude en Amérique latine et dans les Caraïbes avec l'arrivée d'un ouragan qui vient de passer en catégorie 5, soit la plus élevée. Matthew, c'est le nom de ce phénomène météorologique qui a été localisé ce samedi matin à 700 km au sud-est de Kingston en Jamaïque, avec des vents soufflant en moyenne à 260 km/h, ce qui en fait l'ouragan le plus puissant dans l'Atlantique depuis Félix en 2007. Haïti pourrait être touché dès ce dimanche et les habitants, la plupart déjà dans une grande pauvreté, se préparent tant qu'ils peuvent. Ils ont annoncé un ouragan, on le fait attention, on garde l'œil ouvert, mais on ne peut rien faire, on n'a pas d'argent. On ne peut rien faire d'autre que regarder. En Jamaïque, que Matthew devrait atteindre dans la nuit de samedi à dimanche, une surveillance ouragan a été déclenchée. En septembre 2007, Félix avait fait 150 morts et des milliers de sinistrés.